après j'ai pas cliqué là moi. Et bienvenue sur Fitness Fusion, deuxième épisode du live. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, on vous a sorti un vlog pour vous expliquer un peu comment ça se passe en ce moment pour nous, l'AFF. Vu que les salles sont fermées, vous avez vu, on sort plus de 2 vidéos par semaine. Ça va revenir très vite. On vous en parle dans cette vidéo et surtout, on vous montre qu'on vous dit tout. Il y a deux membres de l'AFF qui ont utilisé un produit illégal. Donc on vous l'a dit, si on était dopé ou pas dopé, on vous le dirait. Là, ils ont voulu tester un produit qui est interdit en France, mais autorisé aux États-Unis. C'est pas des stéroïdes, c'est un booster du démon. Donc vous le savez, Bastos, il prend des boosters comme si c'était de l'eau. Il a essayé, il était pas bien. C'est pour ça que je vous déconseille d'utiliser ce genre de produit, les gars. Si c'est interdit en France, c'est qu'il y a une raison. Bon, il reste toujours natif parce que c'est pas des stéroïdes. Mais bon, en tout cas, dans cette vidéo, vous verrez que tout le monde doute sur tout le monde. On vous montre tout ce qu'on mange, comment on vit. Et même si on se connaît très bien, on vit pas ensemble. Donc on a des doutes sur tout le monde. Et vous aussi, ayez des doutes sur tout le monde. Bon, je vous laisse. On se retrouve en fin de vidéo. Deuxième épisode de Life. C'est parti. Bon, les gars, on va faire vite. Il y a Pimous qui nous attend là. On a encore un quart d'heure de retard. Il est déjà rentré dans la salle. On est parti. J'étais pas sûr si c'était toi. Tu fais le match focus. Ça va ou quoi? Bien, je t'ai ramené ça. C'est quoi? Tu vas l'essayer, t'es obligé. C'est du power push. Non, je n'ai pas pris. Il est légal ou pas? Non, pas légal. Non, on va éviter. On va éviter. Si, tu veux. Je fais épaule, là, je vais avoir une congestion. Je te conseille d'en prendre parce que les abonnés vont dire que t'es maigre à côté de moi après qu'avec ça. Interdit, interdit. C'est incroyablement bien. Grosse sans spec, moi. On vient raconter ta life un peu. Hein? Viens raconter ta life un peu. Ça faisait combien de temps que t'étais pas venu à. Ça fait au moins 3 semaines, je m'entraîne chez moi. T'es déçu ou pas? Ouais, ça pue sa mère. Franchement, ça pue sa mère. Il doit y avoir là les faux certificats en vrai. Hein. Ouais, là, il y a du monde. Et là, il y a du monde. À Arras, vous l'avez vu, avec Bastas, il n'y avait pas grand monde. Mais ici, c'est blindé, je ne sais pas si on peut voir. Il y a du monde. De toute façon, il y a des nouvelles règles, hein, qui sont passées là avec le gouvernement. Je ne sais pas si tu as vu. T'as pas vu? Ouais, le. Pour passer le certificat, il faut avoir des maladies vraiment violentes. Si tu cherches la cohérence de cette mesure, c'est comme les bras de Thibaut InShape, elle n'existe pas. Et là, ils veulent fermer quelques salles. Pour l'instant, la nôtre, on a de la chance, elle ne ferme pas. Je m'en fous, je suis pas concerné, frère, j'ai mon gym. Et toi, t'as fait ton gym? Oh, les couilles. J'ai mangé là, moi, samedi. Ah, frère. Oh, ça fait longtemps, ça fait 6 mois que j'ai pas mangé. Oh, sa mère. Gros bucket là, tenders. Oh, oui. Ça me rappelle les premières vidéos. Les premières vidéos, on les faisait dans la voiture. Des animaux. Allez, salut les derniers. Salut tout le monde. Bon, je vous présente Pimps et Didio, les nouveaux youtubeurs. Bon, moi, cette vidéo, normalement, ils ont vu ma shape d'après qu'on filme. Oh, t'es un malade, toi. T'oses pas, je montre rien. Bon, là, ça va. Là, franchement, je suis pas dans un état déplorable. Moi, je t'ai vu sur Insta, ça allait. Quel Insta, frère? Quand t'as montré tes épaules. Insta, ah oui. Pimous. Oui, ça, je suis pas si gras que ça. En fait, le truc, c'est que j'ai stocké beaucoup au niveau du bas du ventre cette fois-ci. Enfin, au niveau des poignées d'amortisseur. Ah, tout le monde. J'ai des abdos. T'as toujours les muscles. J'ai des abdos visibles, ça va. Mais j'ai stocké un peu. Mais sinon, au haut du corps, je suis resté clean. J'ai stocké un peu au niveau du cul, mais ça va. On vous montrera ça après la sèche. L'été, en général, Pimous, c'est l'été qui débâche. L'été, c'est là où je débâche, moi. Finis sa cure et compagnie. Voilà, exactement. Là, on en relance. Et il dit exactement en plus. On est comme les doubles dragons. Quand on leur pose la question chargée, ils disent. Ils disent à mi-temps, la moitié de l'année seulement. Ils ont jamais dit ça, les mecs. Si, ils disent ça, c'est des fous. Pour troll, ils disent ça. Ah, je savais pas qu'ils rigolaient là-dessus. Si, ils disent à moitié, ils disent à Fnati, on est chargé qu'à la moitié de l'année, ils disent. C'est qu'eux, ils sont partis voir Marvel Fitness. Marvel, j'ai vu. Ah, je suis malade. Les deux, là, faut qu'on les attrape. Marvel et les doubles dragons. Les doubles darons. On va vous attraper. Bien sûr, on va venir. Bon, direction Réunion, tous les lundis. Tous les lundis. On va vous montrer un peu comment se passe les réunions FF. Comment on joue bien à FIFA en réunion. Allez. Comment ça? Regardez, il n'y a même pas la PS5 qui a acheté des manettes. Parce que j'ai pour projet futur de l'avoir cette PS5. Pour l'instant, elle est indisponible de partout. Ouais, mais moi j'arrive à la prendre, t'inquiète pas. Moi elle est indisponible, je l'ai eu quand même, t'inquiète pas. FIFA sur PS5, les gars, c'est n'importe quoi. Bon, j'étais sur Amazon pendant 2 jours, je faisais F5, 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 j'avais mal à mon doigt. Je passais 2-3 heures par jour à F5 Amazon quand j'ai vu disponible, commandé, bim. Moi je la voulais pas, mais tu me l'as fait essayer, c'est n'importe quoi, c'est fini. C'est trop bien. On va leur donner les 500. T'es bien ma place, ça va? Tu prends ma chaise? Il m'a dit, mais va te franculer, wesh. Je vais me mettre sur la PS5, moi tu vas voir. On vient travailler, les abonnés nous attendent. Ça fait des mois, ils sont sans nouvelles. Viens, on se taille. Bon les gars, en général c'est ici qu'on fait les réunions. De 13h à 18h.
C'est pareil qu'il faut regarder le cinéma. Ouais, mes frères, ils peuvent voir les muscles. Mmh. On fait réunion, on bosse sur. On peut pas le dire. On peut pas le dire. Vous le saurez quand l'ouverture des salles. Bah, il y aura l'ouverture des salles, simplement. Monsieur, peut-être qu'à dire quand l'ouverture des salles, elle ouvrira, elle allait dire. Elle aura lieu. Donc là, c'est la merde. Je sais pas si vous, vous avez des infos, quand est-ce que ça va ouvrir. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, parce que nous, on attend que ça. Les vidéos FF, ça nous manque, les gars. Tu veux qu'on parle de quoi, frère? Ah, la bonne nouvelle. Ah ouais, je t'ai pas dit. Non, je veux savoir. On a un vrai partenariat. Ah bon, avec qui? Et je l'ai négocié. Avec qui? Un jeu mobile. Ah, tu m'as chauffé. Non, hein. Ah non, mais t'as fait un partenariat avec Red Shadow, ça l'a chauffé. Est-ce que vous savez que cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Légende? Eh oui. La semaine dernière, monsieur Red Shadow, il se met bien. Eh ben, ils nous ont contactés. Merci. Red Shadow? Non. Sérieux? Ils ont accepté. Mais c'est quoi, c'est ça, c'est la puissance de FF, les gars. C'est quoi, c'est Gnar? Eh, paiement avant la vidéo, par contre, attention. Hein. Ils ont dit, vous faites la vidéo, vous la mettez en non répertorié, on la regarde si c'est OK. On vous envoie l'argent. Voilà, machallah. Red Shadow, ils m'ont pas payé autant, ce billet. Hallucinant, ouais. Ouais, c'est quoi ça? C'est parce qu'ils ont vu que la communauté était présente, l'engagement. Même Red Shadow, ils m'ont pas payé autant, ouais. Mais nous, on donne 50% à la France pour les impôts. Ensuite, on divise par deux. Non, il y a pas que. C'est du vol. En vrai, c'est beaucoup de base. Pour les laisser, ouais. À la fin, il reste des miettes hein, dans l'assiette. C'est vraiment n'importe quoi, ça. Mais bon, c'est quand même une bonne petite victoire. Bon, là, qu'on va pas les déclarer l'argent. Ouais, donc moi j'avais écrit attendre le 1er avril pour publier des vidéos et reprendre un rythme de une vidéo par semaine pour faire que des vlogs. Ok. C'est-à-dire là, tant que les salles sont ouvertes, on fait des vlogs. C'est facile. Une c'est fois par mois, mais juste pour donner des nouvelles, tu vois, à la commune. Ah, je crois une fois par semaine. Moi. Où il y aura pas trop de muscu, où c'est juste on va montrer ce qu'on fait nous sinon, en tant que Covid. Pourquoi on fait pas un vlog toi, un vlog moi, comme ça on fait deux par mois. Ah, on peut faire ça, mais de toute façon, moi dans mes vlogs, tu seras là. Ouais, je le sais. Mais comme ça fait une vidéo que toi tu fais, une vidéo que moi je fais, c'est pas trop de travail. Tu vois ce que je veux dire? Ah, parce que là, en fait, ça sert à rien qu'on fasse des vidéos. Non, c'est une perte de temps. Alors que les salles, elles sont fermées. On est une chaîne muscu. Puis, on va faire quoi? On va pas faire des vidéos en salle en plus. Alors que les gens, ils ont pas accès. On va les narguer, frère. Donc, si, il y aura quand même quelques plans de muscu dans nos vlogs, mais ça sera 2-3 minutes sur une vidéo de 15 minutes, tu vois. Parce qu'on reste quand même une chaîne fitness. C'est vrai. Important, c'est les vrais abos. Donc, les vues, pas gagner des abos fantômes. Que j'écris des trucs. Non, ça c'est, je sais ce que ça veut dire. C'est par exemple, ça sert à rien de faire une vidéo qui va rapporter 100 000 abonnés si à la fin il n'y en a que 4 000 qui regardent la vidéo. Ouais, voilà, il faut des vrais abonnés derrière. Voilà, t'as compris. En gros, j'ai un bloc-notes dédié des trucs qui me passent par internet. Je les note et on en parle ici. Ça sert à ça les réunions. Et surtout, on prévoit la vidéo qu'on va tourner le vendredi. Sans prendre l'avance. Comme ça, dès que les salles elles ouvrent, hop, on a des vidéos en stock. Non, on a déjà pas mal en stock, tu vois. On est bien, ça va, mais il en faudra encore un peu. Mais il faut des vidéos fortes surtout, parce que moi j'ai regardé, j'ai publié plein de vidéos. Que du fun, ça me met. Que du fun, parce que toi t'as pas encore fait de force. Moi il en reste qu'une seule à monter. Hein. C'est laquelle? J'en ai que deux. Hein. Paris sportif. Ça. Paris sportif. Ah, j'avais oublié de s'appeler comme ça. Vas-y, mercredi on fait Paris sportif. Ok, ça marche, c'est mercredi. Fin de vie. Ouais, c'est mercredi. Donc d'abord on s'entraîne, on fait l'entraînement. Petite séance d'eau là. Comme ça on est tous fatigués et à la fin on fait Paris sportif. Ok, ça marche. Bon, personne. Il y aura pas grand monde. Non, il y a personne. Parfait. Vraiment, il y a personne. Après, il faut quand même qu'il y ait du monde pour pouvoir. Oui, mais il y aura toujours 5-6 pélos qui s'entraînent. Ouais, voilà. Et. Bastos, il va sûrement avoir la flemme. Oh, je vais le chauffer, t'inquiète. Je vais le chauffer. Tu vas manger même les pépins là. Donne-moi la ceinture BG, j'arrive pas à la prendre. J'ai pas la souplesse. Même tes bras sont courts. Ouais, bah ceinture, ouais, frère. C'est toi ta grande soeur. T'as la ceinture. Bah ouais, gros. Il me dit 2 scoops en fait qu'un dedans. DMAA, c'est dérivé des amphétamines. Plus, non. DMAA, qu'il y a dedans, c'est dérivé des amphétamines. AMP citrate. C'est comment tu vas l'essayer, t'es obligé. C'est du... Ils disent prenez un seul scoop par jour. Maximum, c'est bien 24 heures entre chaque scoop. Mytho. Parce que sinon c'est dangereux. Bah ouais, frère. Ah non, vous êtes des fous. T'es en live ou pas là? Je fume l'électricité tout le temps, frère. Ouais, là on est sur. Parce que j'ai envie de. Sur Twitch. Mais non, mais je veux dire, tu filmes ou quoi? Ouais, on est sur Twitch là. Je fume l'électricité. Fitness Fusion 3S. Par contre, tu ne lances jamais. Mais tu fumes quoi, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça, ouais. Mais si on voit de la fumée, c'est moi, t'inquiète. Lance jamais. Il te voit, frère. Mais non, il te voit pas. Ah ouais, vous le voyez pas.
Non mais il y a mes frères. Que les gars, fermez les yeux, il va poter. J'ai rien compris lui. Non, parce qu'il y a les rouilles. T'es chiant, là, t'es chiant. Je sais très bien quand il y a une caméra, parce que c'est pour moi. Ouais, mais moi je te dis, il faut. Mais va poter là, dans la fenêtre. Mais il me voit, il y a 4 caméras, il y a ZB. Je lance jamais de stream avec mon téléphone en 4G, hein, parce que la facture elle va arriver, tu vas chier, gros, c'est je te pas le dis. Déjà, faudrait qu'on lance un seul stream dans notre vie. Mais Bastas, il m'a dit, il est chaud. Il y a ton bouille là-bas. À partir de la semaine prochaine, on lance des streams tous les jours. Là-bas, il y a ton bouille. Attends, ça veut dire je vais venir tous les jours chez toi tous les... ouais, bah, il est déjà tous les jours chez moi. Et quand il vient, on joue à FIFA. Donc, autant non, mais autant stream. Donc tous les jours, rendez-vous sur le Twitch Fitness Fusion avec 3S, attention, tiré du bas. Coupe les moments où je fume. De 14h à 17h. Ensuite, on laisse le relais à Marvel parce qu'il fait ses lives nocturnes. Bah, oui. On s'arrête à 17h. Oh là, j'ai envie de finir le paquet, sa mère. Oh là là. Comment ça? Ça mange des chips, c'est 590. Mais je mange pas le paquet complet, voyons, vous êtes des malades. C'est plaisir raisonnable, c'est ça? Bah, c'est tout, j'en mange 5-6. C'est bon, moi j'arrive pas à le faire ça. Si je tape une chip, c'est fini. En fait, moi c'est juste pour avoir le goût de la chips. D'autres, je me l'interdis. T'es fou, je le mets dans mon pain juste pour avoir le côté croustillant. T'es fort. T'es fou, je le mange pas en entier. Peut-être je vais le manger sur 5 jours le paquet. Ah non, tu peux faire ça en vrai. Bon là, c'est ça. Si t'abuses pas, tu tapes pas tout le paquet de chips. Non, je m'enlève, dis-toi, un paquet chez moi quand je le laisse, il fait 6 jours. Hein. Ah, mais après, c'est dégueulasse, les chips elles sont secs. Moi, les chips, je les dogue d'un coup, c'est tout. Si tu veux faire à manger chez toi, j'ai pas le choix. Hein. Quand vous faites la vaisselle, y'a pas de soucis. Bien sûr, je fais la vaisselle. Tous les jours, je me tape la vaisselle, j'en ai marre. Après, y'aura un lave-vaisselle, y'aura plus de soucis. Moi, je préfère faire la vaisselle à la main qu'en lave-vaisselle. C'est beaucoup mieux lavé. C'est 100 fois mieux lavé, wesh. Tu laisses des traces de lave-vaisselle, j'ai horreur de ça, ça me dégoûte. J'en peux plus là. 3 fois par jour, je tape une grosse vaisselle. Mes parents des loadings me prennent pour un fou. À chaque fois que je prends un assiette, je lave avant d'utiliser parce qu'ils font la vaisselle, j'aime pas. T'as un orglia. J'ai horreur de ça. T'as déjà un assiette. À chaque fois que je prends un assiette. Torime. Interimo ad appareto. Je le lave, un assiette. Un couille. Une assiette. Non, un couille. Si, je vais prendre comme dit, j'ai pris des haricots rouges. Après l'entraînement. Ouais, bah tu ne restes pas dans la chambre. Comment ça va être pâtes. Des haricots rouges. Tu vas manger quoi toi là? De la viande fraîche. Pâtes et blanc de dinde. Ah, elles sont déjà cuites. Les pâtes, oui, mais je dois faire chauffer le blanc de dinde. Non, des steaks hachés j'ai pris. Les klaxons, putain de merde, 14h24. 8 heures sans manger, il y a des zébés. Écoutez les conseils de Bastos Fit sur la nutrition. Ah, il y en a. Oui, je filme. Heureusement que j'ai pas à faire. Je deviens bon. C'était pas quand j'allais. Ah, du coup, putain, non, quand je mange les chips. Voilà. Allez. On va voir que c'est pas normal que t'es sec. Suis ce bâtard, t'as vu qu'il y avait une vidéo sur moi? En description, il y a écrit oui, j'ai pas tout au collège celui-là. Ça m'a fait d'arrache. Il arrive au coucher, il dit ouais, hop, il lui a baisé sa mère 50 fois 10. Moi, j'étais pas là pour faire des grosses perfs. On m'a pas baisé, wesh. 50 fois 10, wesh. Ouais, mais parce que c'est tout, wesh. Non, ça. Fois 9. Faut plus venir me parler de bench, hein, moi. Faut arrêter de perdre votre temps avec moi, je vous le dis tout de suite. Non, moi, j'ai jamais voulu te tester au bench. Vous avez des petits bras, vous êtes fort, wesh. Allez, il y a des bras un peu plus grands que moi. Moi, oui, c'est pour ça. Et lui, ses bras sont trop grands. J'ai regardé. Moi, j'ai des longs bras. Donc, non, sur le bras moyen. Gros, il habite ici, ça y est, c'est tout maintenant. Franchement, ça a l'huile d'olive à 8 euros. Ça mange quoi? Ça mange quoi? L'huile d'olive à 8 euros. Qu'est-ce que tu manges au menu? Haricots rouges avec du poulet. Ok, Bastos. Oh, le bâtard. Qu'est-ce que tu manges au menu? Bon, moi, c'est pâte à la sauce et steak haché. Moi, baguette blanche avec des chips et du thon et de l'huile d'olive. Une fourchette. Il a pris des chips, mais il a pris la salade, des tomates, du thon. Il a des fourchettes chez lui. Poivron, chou-fleur, c'est pour après, les gars. Des légumes. Regarde, il a pas de fourchette chez lui. T'as pas de micro, je suppose? Moi, je la mange en entière. Non, il y a pas de micro. J'en ai un chez moi. Non, je prends pas. C'est pas bon, les ongles. Tu sais que les nutriments ils se barrent. Mec, ils chargent le maximum, tu sais pas comment ils ont. Non, mais les nutriments tu les perds quand tu arrives à la place des ongles. Les nutriments tu les perds ou pas avec ce que t'envoies là? Vas-y, prends pas avec lui. T'as le droit de faire tout, frère. Moi je parle pas avec des mecs. On est tombé ça très fort. Qui me pensent dopé. Donc si c'est le cas pour vous, désabonnez-vous. On va tous se désabonner, vous savez. Il va repasser à 2000 abonnés. Regardez. On fait grave penser à Flocon. C'est ce qu'on mange ce midi. Voilà. Mets-le dans la poêle. Ouais. Attends, wesh. Ouais, moi on m'enlève mes pâtes de mon four, je suis chez moi. Moi je peux pas manger. Quel t'es chez toi? T'es chez moi, frère, il est fou lui. On a. Mes haricots rouges, ils sont là. On a 3 sur un four, il y a 4 plaques. Je sais pas comment on va faire. Basta, s'il m'a mangé mes haricots. Ouais, mais. On va voir. Ils sont où mes haricots rouges? Ouais, bah. Mais des fous, j'ai déposé, ils ont disparu. T'as pas mes haricots? Voilà, même chez mamie, il n'y avait pas ça avant. Je me suis jamais cherché chez ma grand-mère, c'était plus stylé que chez moi. Quand on va tout changer, vous allez voir. Sel ou sucre? Ah! Mais t'es fou quoi? Sel ou sucre? Quoi, sel ou sucre? C'est du sel, il n'y a pas de sucre ici. Hey, t'as une meuf, je te rappelle, t'es pas tout seul, frère. Ah, ouais, bon, je suis pas sûr. Non. Qu'est-ce qu'ils disent tous? Voilà. Ils donnent des produits aussi. Ah, ouais, non, elle mange du chocolat, elle mange. Elle mange du ganavol avec toi, hein. Allez. Parfois, c'est bon, je crois, hein. Fais du chargé. Ouais, non,
je m'entraîne pas trop, je mange pas trop. 50 kilos x 10. Les travaux ils commencent bientôt, j'aurai besoin de vous. Hein. Ouais. Tu viens me chercher, tu me fais à manger et je viens. Bon voilà où on en est. À ce stade, et regardez ça, machallah. Il va bien manger. Oh lolo. Ah ouais, ça c'est gros là, on achète un bacon. Mais il est fou lui ou quoi? Il n'y a rien là-dedans. Eh, t'as mis, il y a 600 calories là. T'as mis tous les haricots. Tout près. Bah, il n'y a pas beaucoup, t'as pris une petite boîte. 250 grammes. C'est suffisant, frère. Non, on ne va pas avec les mêmes armes. Du coup, tu viens d'avoir. Non, j'avoue, là, tu manges rien. Hein. Tu manges beaucoup, tu manges rien. Eh, frère, j'ai pris du poids, je suis obligé. Là, j'aurais mis le double d'haricots sinon, 500 grammes. On est où la table? Pas de bruit, là. C'est la presque. Il a mis des nouveaux trucs pour faire croire que c'est ton nom, fils de chien. Ouais, on sait pas, frère, qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu le sais, hein. Et moi, regarde, tu la vois, la gouttière? Ils ont fait du neuf sur du vieux. Tu le vois, au lieu de tout enlever, tout refaire. Tu vois le fil qui passe? Ça, ça existe pas, normalement, c'est dans les mains. Ah ouais, c'est la merde. Nous, on va tout casser. Là, la porte, déjà, on va la mettre ici. Ici, on va voir. Là-bas, on va tout casser. La salle de bain, on va la monter à l'étage. Et puis, il faut faire tous les plafonds, tous les murs. Mon casser, j'aime bien. Ah, moi aussi, je vais m'éclater. Je vais faire ma séance le matin, après, je vais m'amuser à casser, à faire des électros à déchets. Bah, attention, pas très mal comme la main. On vous montrera tout ça au prochain épisode. Oh l'action! Là ça a construit là! Et on en reste là. Attends, cette vidéo, on voit que je gagne. Le FIFA, ah si, c'est fini, ça c'était plutôt en or. 3, 2, 5, 4, c'est serré, c'est serré. On a jamais gagné. Ah les gars. J'ai envie de dormir. Bastos, maintenant tu prends ta raquette la FIFA? Je suis fatigué. Est-ce que tu prends ta raquette la FIFA maintenant? Oh là, je suis dans les bas, il faut que j'envoie au sol. Regarde. Il part pas de chez moi s'il gagne. Ah mais comment je vais faire avec ça, ouais, je crois que tu... Ah, bâtard, ouais. C'est lui, hein. Haricot rouge, c'est qui? Haricot rouge, ouais. Ça aurait pu être lui, mais c'est toi. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous demain sur Twitch à 14h si vous voulez nous voir, Bastos et moi, sur FIFA. Voilà, j'espère que c'était un bon épisode pour vous. Chose à retenir, ne pas utiliser de booster interdit et ne pas manger d'haricot rouge. Prochain épisode, peut-être l'avancée des travaux, vous verrez ça en vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, n'oubliez pas d'activer la cloche parce qu'on n'a pas un rythme régulier de vidéos. N'oubliez pas de lâcher votre like pour améliorer notre référencement. C'est important les gars, là la chaîne elle est en train de couler vu qu'on publie plus. On a besoin de vous comme jamais. On compte sur vous, commentez, partagez, likez, vous savez ce que vous avez à faire. Merci de continuer à nous suivre durant cette crise et on se retrouve très vite. C'était Fitness Fusion de la FR. Vous étiez en présence de Bastos, Limousse et Dujo. Force, fun!